هذا الخبير حبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل عما قد مضى وجرى. Je donne maintenant la parole à notre ami Francesco Chiabotti, comme j'ai dit, qui est arabisant, islamologue, chercheur émérite à l'INALCO et au CNRS et à plusieurs. Il travaille dans beaucoup de centres de recherche de prestige et de qualité en Europe. Et il a le grand mérite d'avoir travaillé récemment sur... Pardon ? Oui, il va en parler justement... d'une grande figure tutélaire de la calligraphie au Maroc au XIXe siècle. C'est le, vous savez, peut-être, mais moi je trouve sûrement le plus grand calligraphe, mais peut-être aussi le plus célèbre calligraphe du Maroc a vécu au XIXe siècle. Wa al-Qandusi, Cheikh al-Qandusi, rahimahullah. Bismillah. Merci beaucoup, Sidi Jaafar. Tout d'abord, je te remercie pour cette introduction. Je te remercie pour l'énergie que tu mets, l'énergie inconditionnée que tu mets dans l'organisation de ces événements. Je sais que tu es aidé par une équipe formidable, je la salue, donc les membres de l'association et tous les mohsinines qui vous aident. Bien évidemment aussi tout le côté institutionnel qui est là, et on le sait. Je remercie Hakima pour son introduction. Ça fait très plaisir d'être ici à nouveau. Et je serai bref, donc rassurez-vous, je n'ai même pas de notes. Et c'est plus c'est plus une réflexion personnelle, mais qui est un peu le fruit, disons, de déjà 5-6 ans de travail sur des sources marocaines auxquelles j'arrive un peu par hasard. On m'a demandé, mais pourquoi maintenant tu fais Qandusi? Comment tu es passé de... Moi, je faisais l'islam, le soufisme médiéval, l'Iran. Comment tu es arrivé au Maroc? Je ne savais pas quoi répondre. Mais je le dis sincèrement, il me manque de ma mémoire le passage. En fait, je pense que ça a été une attraction très très forte qui est arrivée. Il y avait un contexte d'études sur... On savait, les chercheurs en Europe, que le Maroc, c'est un territoire propice pour la recherche, contrairement à, malheureusement à d'autres endroits, à d'autres côtés du monde arabo-musulman, qui sont inaccessibles. Donc voilà, on a commencé en recherche, mais pour terminer, moi j'ai envie de revenir à la source, c'est-à-dire j'ai envie de vous proposer une réflexion qui est personnelle, je ne suis pas théologien, mais j'ai envie de revenir au Coran lui-même. Pour conclure, je pense que c'est bien de revenir à la source, et j'ai relu les ayats dans lesquels le texte il nous parle d'Al-Médina. Il y en a beaucoup, elles sont nombreuses. Et je pense qu'on peut les réduire à deux catégories. Ce sont soit les histoires édifiantes qui nous viennent du passé, donc ce sont des choses qui ont lieu dans l'Antiquité, dans cette période de l'Antiquité. Et il y a Al-Médina en tant que le passage de Yathrib qui va devenir Al-Médina. Pour la première catégorie, vous avez un verset qui se répète deux fois, le même, toujours en position 20. Surat Al-Qasas, verset 20, Surat Yassin, verset 20. « Waja'a min aqsa al-Médinati rajulun yasa'a » J'ai posé une question. Est-ce que ce verset, qui est répété, et cette répétition n'est pas un hasard, nous indique des qualités de ces aoulia qui sont filjani bashar, fil marakouch, mais peut-être c'est l'archétype de cela. Je me suis dit, il y a quatre caractéristiques. Déjà, il y a un ta'khir taqdim. Le sujet est mis à la fin. Il est anonyme. Mubahal. Il est anonyme. Il y a une soudaineté. Il y a un soutien. C'est salvifique, cette intervention. Ce sa'i, il est salvifique. Je pense que, sans le dire,
Mais c'est, et qu'est-ce qu'il fait, cet homme, à deux moments différents de l'histoire? Il est un soutien pour les Mursaloun, pour les Mursalines, les deux. Donc, venons maintenant, après je vais faire la jonction entre les deux, à Al-Médina. Yathrib, c'est une confédération de tribus. Mais elle devient Médina par la présence du prophète. Donc, bien évidemment, on dit que c'est le tawhid qui rend... C'est l'image aussi du cœur, c'est le symbole du cœur, la ville. Mais ce cœur ne peut qu'être vivant par Al-Wasita. Et cette présence du prophète, le Coran, il demande aux fidèles, à l'Ansar, justement, de la soutenir. Et là aussi, encore une fois, parce qu'il y a des dangers. Man hawlakoum. Il y a des dangers qui sont à l'intérieur de Al-Médina et à l'extérieur. Et donc cette fragilité est assumée en quelque sorte. Donc il faut protéger celui par lequel la révolution du tawhid peut avoir lieu. Mais ça aussi, c'est la tâche des awliya dans les villes et leur présence dans les villes. Ils sont là, ils sont un peu en retrait, ils peuvent se manifester ou pas, ils peuvent arriver de façon qui sont étonnantes, karamat. Ils sont là pour aider l'héritage prophétique en quelque sorte. Et si on regarde, et là je viens à Marrakech, ce circuit de sept saints, on sait, il y a une histoire, il y a une volonté qui est aussi politique. On peut, mais revenons au sens. Chacun de ces grands saints partage un trait avec le prophète. C'est évident, j'ai dit une banalité par là. L'imam Al-Jazouli qui ouvre la voie de la tasliya comme méthode de réalisation. Salat al-Nabi, si on prend le Qadiyayad. Tarif bi hukuk, la shifa, donc une guérison, la guérison du cœur qui advient par la reconnaissance des droits de l'envoyé. Si on prend l'imam Souhaili, Jarih Hassira, par le côté littéraire aussi. Donc, et on peut trouver chaque chose pour les sept. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que les deux typologies de la ville, les deux évocations de la ville dans le texte sacré, sont au cœur de l'œuvre des messages des sept saints de Marrakech. Et maintenant, je passe un deuxième, disons, remarque personnelle, c'est qu'effectivement, nous nous sommes aperçus que l'œuvre de Aulia n'est pas juste confiée dans des Tarajim al-Rijal, dans les livres, les hagiographies, on les appelle. Non. Ils ont une action qui est concrète. Et ce 19e siècle que tu disais a vu l'œuvre, là je vais à Fès, de ce calligraphe qui vient de loin, comme Al-Kanadissa, Kenatsa. On ne sait pas comment il arrive, il s'installe dans le cœur de la Médina, il passe sa vie dans le mausolée de Moulay Idriss, et il produit une calligraphie que tout le monde connaît. Vous connaissez l'Ism al-Jalala, qui est donc. Mais qui connaît l'homme? Personne. Il est majhoul. On commence à. Disons, on essaye de le faire sortir de cet anonymat, parce qu'il a produit une œuvre qui est incroyable, qui est vraiment l'image de la présence du saint dans la Médina en tant qu'artisan. Et parce qu'il produit des calligraphies, il fait des nosakhs, des copies d'exemplaires, qui sont des copies de prestige, que, voilà, on les retrouve après, aujourd'hui, ils sont dans la bibliothèque royale et dans la bibliothèque nationale, mais ils ont une histoire de prestige. Et en même temps, il fait aussi des copies ordinaires, on les a observées, pour les gens. Donc il est là pour transmettre le Dalal al-Khayra, transmettre le Coran, avec un art incroyable. Qui est, lui aussi, au service du prophète, qui nous dit, dans un petit texte, lui avoir été inspiré, ce style géant, géantifiant des lettres, par une vision du prophète lui-même, et qui donc, voilà, remet encore une fois le prophète au cœur de l'activité du saint et de l'artisan. Et donc, je pense qu'on n'a pas, on vient que de commencer de trouver des traces comme ça, de Aulia qui ont une action aussi artistique, et je dirais artisanal dans le sens noble du terme, dans l'histoire du soufisme marocain. Je vous remercie, vous tous et toutes, pour votre écoute, et merci Sidi Jaafar encore une fois pour cette organisation. Shukran, Oustad Al-Jalil Sidi Hassan, qui a voté dans cette kalima et cette ijaz, mais nous terminons avec une question, comme nous avons commencé avec une question. كيف طبعت المؤسسة الصلاح والمعاهد الدينية المدينة العتيقة ونختم بسؤال كيف نعيد إحياء
كما أحيوا هؤلاء الأولياء والصلحاء والباحثين والزهاد هذه المدينة بصلاحهم بتربيتهم بما قاموا به من جهود اجتماعية بإصلاحات على مناحي الحياة. كيف نتعامل مع هذا المجال، مجال ليس كمجال حضاري ولكن كهوية، كيف نحافظ على هذه الهوية الثقافية، الهوية الدينية؟ لأن عندما نتكلم على الصلاح والولاية وعن هذه المؤسسات لا نتكلم فقط عن الذكر والأوراد، ولكن نتكلم عن مؤسسات معرفية ساهمت في تنمية مناطقهم. عندما نتكلم عن الجانب الشرقي، إذا رجعتم ما بدأ به صاحب التشوف، قال بأنه جهل كما قال، أصبحوا غرباء في حين أن آثارهم لا تجهل، فقال هو هيهات هيهات، أطلب تجد، وبدأ بحديث لا تزال طائفة كما ذكرها سيدي عبد الإله من أهل المغرب ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. فلهذا نشكر جمعية بنية مراكش في اختيارها لهذا الموضوع وفي اختيارها لكل محاور هذه الجلسات العلمية الرائعة والرائقة والتي تسعى إلى إحياء الذاكرة. نشكر رئيس جمعية مونيا مراكش ولكل الباحثين والمساهمين على هذا النشاط الكبير. باسمكم وباسم الجميع نشكركم جميعا على حسن الاستماع والإصغاء. هذا الحبيب هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل عما قد مضى وجرى وقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يخطف البصر هذا الحبيب.